Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chitata des nouvelles, ça qui est entré la caillou. Moi, c'est Mette Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté à la presse dans le pays Canada. Mette de yo, yon scandale public qui impliquait autorité dans le pays d'Haïti. Donc, autorité dans le pouvoir en place là. Côté gain sénateur Ronnie Célestin avec Madame Ni. Qui lui-même c'est concile dans le pays Canada qui achete yon caille, yon villa qui coûtait 4,25 millions de dollars américains. 4,25 millions de dollars américains, yon achete l'argent comptant sans yon pas prêter l'argent la banque. Directeur exécutif RNDDH dans le pays d'Haïti, Pierre Espérance, mandé instance qui concernait dans l'État haïtien pour yon l'ouvrir yon enquête pressé sous dossier ça qui gagnait suspicion corruption sous lit. Gagnait conférence religieuse dans pays Canada et qui réunit plus passé 200 congrégations avec plus passé 10 000 membres. Mais yo écrit premier ministre canadien et Justin Trudeau yon les tout l'ouvrir pour mander pour désolidariser le gouvernement Canada avec gouvernement haïtien qui yo dit mais président Jovenel Moïse qui établit une dictature dans le pays d'Haïti pendant peuple haïtien a mouri dans grand groupe pendant gang a fin déchepiller population d'après conférence religieuse dans le pays Canada. Dans le pays d'Haïti, plusieurs organisations et politiques et syndicales annoncé un nouveau calendrier et mobilisation qui a sorti vendredi 19 février pour 22 février qui a venu pour dénoncer la dictature dans le pays d'Haïti. Ensemble, organisation n'a marché pour la vie, mais annoncé l'aptamen, journée vendredi à dans l'hôtel Les Plaza, dans Port-au-Prince, yon tribunal qui relait tribunal citoyen pour juger M. Jovenel Moïse, yon dit qui symbolisait dictature dans le pays d'Haïti. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, n'a invité au comme à l'ordinaire pour continuer brancher, continuer abonner au canal information sans fausse côté de manière à ce que nous capable continuer porter bon gens information frais clair coup de loco pour ou même qui abonné déjà quelque soit côté dans le monde là nous remercions ou même qui poko abonné n'a invité au faire ça de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publier bien la rejoindre nous de façon automatique. Jean nous annoncé aux les amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, gagné conférence religieuse dans le pays Canada, mais yo qui gagne la dalle, plus passé 200 congrégations et qui réunit plus passé 10 000 membres religieux et religieuses, mais yo écrit premier ministre canadien Justin Trudeau, yon lettre tout l'ouvri, mais pour mander désolidariser gouvernement canadien désolidarisé avec gouvernement haïtien qui gagne président Jovenel Moïse dans tête li yon dit qui établit une dictature féroce dans le pays d'Haïti. Conférence religieuse ak religieuse yo nan pays Canada yo dit nan let si la nan non peuple haïtien avec nan non nan non peuple haïtien qui c'est un peuple frère avec nan non toute membre congrégation yo lancé gourel en mwesa bay premier ministre canadien pour mandel dénoncer sous place publique et puis clairement régime dictatissa régime féroce qui établit dans tête pays avec président Jovenel Moïse côté la violence gang armée insécurité kidnapping la pérèse vol ak viol ap taye banda toute la sainte journée. Donc conférence religieuse ak religieuse yo fait konnen et kidnapping nan c'est li même pi grave nan pays d'Haïti côté mais les kidnappeurs pour un moun yo mandé yon paquet l'argent mais ki fin appauvri classe défavorisée dans le pays d'Haïti et que yo pas gagné l'argent encore pour yo bay kidnapper qui pas suspend kidnapper peuple là dans la rue. Donc conférence religieuse et religieuse dans le pays Canada yo mandé
Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais lui-même, il dit pas de faire complice de désastre humanitaire, ça, mais président Jovenel Moïse établi dans tête pays d'Haïti comme un dictateur et un modèle pour désolidariser le gouvernement canadien avec le gouvernement haïtien qui gagne dans la tête, M. Jovenel Moïse. Donc, c'était une lettre tout l'ouvrir, conférence religieuse et religieuse dans le pays Canada, écrit Premier ministre Justin Trudeau dans le pays Canada pour demander de désolidariser avec le gouvernement haïtien pour dénoncer ça sous place publique. Donc, pour que les papes complices de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous toujours dans le pays Canada. Eh bien, gagné la presse dans le pays Canada qui révélait ancien sénateur Ronnie Célestin avec Madame Lee qui se concile dans le pays Canada. Eh bien, yon acheté yon kaye, yon villa qui coûtait plus passé 4,25 millions de dollars américains. Donc, yon acheté le cash, l'argent comptant, sans yon pas prêter l'argent à la banque, ni yon pas vendre bien pour yon acheter kaye ça. Donc, directeur exécutif RNDDH, là, Pierre Espérance, lui mandé instance qui concernait dans l'État haïtien, mais pour yon mener une enquête, l'ouvrir une enquête pressée sous dossier si là. Nous invitons à écouter Pierre Espérance. Formation qui sortit dans la presse canadienne, sénateur avec madame, c'est déjà bien caille dans Canada. Est-ce que Kaisa et Ouachia, c'est son prêtre, non? Ça veut dire que c'est à pour l'autre monde, dans le régime qui a gagné, intérêt au Canada, Ouachia. Nous pas connaître, mais ça nous capable. Question à poser, peut-être nous, et société à poser tout. Et qui côté, Ronny Célestin, avec madame, jouen tout comme ça. Qui ça a fait dans le pays? Qui rapporte tout l'argent ça? Qui activité que vous avez mené? Ça, avocat Ronnie Célestin rapporté dans la presse canadienne, pas convaincu. Et donc, mon talent est qu'on est, qui ça a été gagné comme moyen avant, qui ça a été possédé avant d'occuper des fonctions ça dans l'État, consul Canada avec sénateur, qui ça a été gagné comme moyen et qui ça a fait qui côté rejoindre tout comme ça et qui ça a gagné tout l'air vient en fonction ça et donc ça est extrêmement important pour nous connaître l'air nous connaît dans pays ça Haïti c'est pays qui plus pauvre dans région population haïtienne majorité monde dans pays a non extrême pauvreté et nous gagnons plus passé 6 millions de monde qui pas capable de manger du tout dans le pays qui pas capable de manger même une fois par jour donc comme là nous pas rien connait qui côté comme ça sorti qui côté vient comme ça là nous connait régime ça symbolise corruption avec impunité là nous connait tout régime ça puis tout pays a yo pas quitté rien et tout et population c'est j'allais dire c'est deux autorités dans l'État Marie-Lisa ou Ben Célestin là qui sont diplomates ben li c'est consul dans le consulat Haïti dans Montréal et Ronnie Célestin fait un sénateur qui très influent dans le pouvoir et qui est influent dans le PHTK. Il a payé la cash et quand il est là, il est facile pour si tu as une institution ou bien si tu as un bagage qui est dans l'institution, ça va toujours. Tu as une crève avec ILCC pour t'amener en quête parce que comme nous avons, il y a manqué l'argent, l'État, pour t'amener enquête, est-ce que nous avons servi de l'État dans le volet pillier l'État? Donc, ça, ces questions, ça, nous avons posé. Donc, le scandale, ça nous tendait, son scandale, nous-mêmes, nous sommes capables de dire, nous capables de blanchiment avec corruption. Donc, si nous étions un petit bagaille, toujours après le régime, ça, de facto, ça, fin, écrasé,
instrumentaliser l'institution qui est là, qui peut travailler sous question de blanchiment avec corruption, si vous êtes un petit bagage tout le monde, donc vous êtes capable d'ouvrir une enquête pour connaître qui ça nous a été comme moyen, qui ça a été procédé avant de rentrer dans l'État. Et ensemble, organisation NAP marché pour la vie annoncée, il y a peut-être un tribunal, journée vendredi, un tribunal, le tribunal citoyen, ben, pour juger symboliquement président Jovenel Moïse sous pouvoir, ben, pour tout crime, il a dit, il fait sous peuple haïtien. Ensemble, organisation, il a annoncé, il y a coré tout mouvement qui visait, disons, chavirer pouvoir criminel ça yoti qui tabli dans tête pays. Donc c'est dans hôtel, disons hôtel Le Plaza, tribunal si là lui-même la tamen journée vendredi, nous invitons à écouter quelques membres dans l'organisation eux-mêmes qui t'a parlé dans cadre conférence pour la presse parmi eux syndicaliste Georges Wilbert Franck. Ensemble de démarches ça yo c'est pour nous faire sentir que toute action ça Jovenel posée là, il n'y a pas prêté impuni. C'est ça qui fait que nous avons le tribunal citoyen, un tribunal symbolique, mais après ça, il n'est pas symbolique, la réelle. Il a gagné de vrais jugements par rapport à ensemble de actes de violation de la Constitution. Il a gagné de vrais tribunaux qui a constitué par rapport avec ensemble de pouvoir que M. Krasé, c'est seulement exécutif là, c'est ça qui fait même une dictature, c'est parce que exécutif là seulement qui existait comme pouvoir. Et par rapport avec ensemble de persécutions politiques qui ont fait sur ensemble de monde, quand vous commencez depuis sur Mathias qui est exilé, donc ensemble de monde, il y a mis des mandats de manière illégale, nous avons le cas de l'Union chez vous, pour nous défendre le VIA, plusieurs autres monde. Ensemble de prisonniers politiques que nous avons, je dis, nous tous condamnés pour les convictions politiques dans la prison, c'est pour nous rappeler, population, nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme organisation de droits humains, nous-mêmes comme organisation de la société civile de la personnalité, nous-mêmes comme syndicalistes, qui entendons sous les belles n'a marché pour la vie, nous conscients et nous comprenons déjà des situations sérieuses. Nous rappelons la population, après la question de Jovenel Moïse, il faut que la question soit posée. Il faut que la justice fasse lumière sur l'ensemble de questions. C'est spécifiquement l'exercice que nous devons faire pour nous montrer que nous n'avons pas prêt à faire une symbolique citoyenne seulement, la réelle après le pays. Tout dirigeant, nous avons, ou pour ne pas dire, plus fort dirigeant qui passe dans l'histoire, diriger le pays, ça, toujours servi à pouvoir pour pousser d'autres peuples là, mettre-le dans la boue, mettre-le dans malheur, mettre-le dans misère. Et après, ils ont joué nos gens pour régénérer tête sans la justice pas demander à causer. Donc, tribunal ça, c'est un pas dans une marche historique pour nous couper fâché avec pratique impunité. Côté que nous servi à l'État, nous servi à les pouvoirs, nous servi avec autorité. Pour yo permettre yo petit groupe moun enrichi tête yo payer nan privilège pays sa kabay comme si ce petit groupe moun sa au seulement sien des salines. Et chaque fois que population vle sous école pour le bataille pour liberté ak bien-être yo ban nou kidnapping yo ban nou yon police politisée pour matraquer nous. Yo ban nou dictature, yo genye force internationale yo ki raciste, esclavagiste pour supporter tout ça, yo voulez faire peuple haïtien passer comme mati. Donc tribunal ça, bral voye yon signal ba population pour dire que nous pas décidé continuer seulement rester dans résistance, mais nous décider tout pour nous couper racine qu'a fait chaque fois flair dictatie, pied-bois dictatie, pied-bois la misère, pied-bois répression, l'imboujourné dans le pays d'Haïti et fait plus fort petit pays, trouver toujours dans mal cité et chaque l'air, yo décide de lever campé, c'est massacre, yo fait sous yo.
Ensuite, c'est de monde qui comprennent que vous capable de servir avec ZAM l'État, pouvoir l'État, pour continuer à faire la population en défi. Sous Bopal, gagné responsable cadre là, maître Gédéon Jean, il fait qu'on est tribunal citoyen ici là, lui-même, l'a déroulé sous trois piliers. Premier pilier, c'est violation flagrante constitution pays d'Haïti, qui montrait c'est Mac Fabrique, ben, yon et dictature. Gagné deuxièmement disparition et avec vassalisation institution yo président pays a fait d'après ça maître Gédéon Jean fait qu'on est et puis troisième pilier c'est violation systématique droit moun nan pays d'Haïti c'est ça t'a carré trois chefs accusation donc trois piliers ça yo même d'après ça maître Gédéon Jean fait qu'on est yo caractérisé dictature li dit monsieur Jovenel Moïse tabli dans tête pays d'Haïti. Nous invitons à écouter maître Gédéon Jean. Il y a un jour au tribunal, c'est un tribunal citoyen sur la dictature. Donc en termes de contenu, c'est un tribunal symbolique, là déroulé autour de trois actes. D'abord, c'est violation flagrante de la Constitution. Qu'est-ce qu'une dictature? Parce que dans la vie, on a dit qu'on s'accuse. Bon, bien sûr, les gens qui assurent actuellement, ce n'est pas une dictature en Haïti. Automatiquement, le pouvoir est concentré entre eux. Automatiquement, il y a des gens qui ont le pouvoir en même, entre ses mains, il est concentré le pouvoir, l'exercer de façon arbitraire et que les contrôle des institutions, on est en pleine dictature. Et c'est ça une dictature. C'est-à-dire que c'est la volonté de l'homme, au lieu de la volonté des institutions. Parce que lorsqu'on n'a pas les démocraties, ce n'est pas l'individu ou la personne qui dirige, mais ce sont les institutions et cela se fait en se basant sur le droit. Donc, nous allons axer les droits d'abord sur la violation de la Constitution. Comme vous savez, M. Jovenel Moïse n'a plus de mandat. Donc là, le fait que l'IVLERIT est sous pouvoir, il s'approche au pouvoir, donc c'est une violation du deuxième alinéa de l'article 134 de la Constitution. Donc, M. Jovenel Moïse n'a plus de mandat. Et deuxième pilier tribunal là, c'est l'anéantissement des institutions. Parce que je dis à toutes les institutions écrasées. Or, une bagaille qui symbolise, qui caractérise la démocratie, ce sont les institutions. Parce que le rôle de démocratie, c'est l'institution qui est là pour appliquer la loi, pour faire respecter la loi. Donc, nous allons gagner qui, Jean, président Jovenel Moïse, anéanti, écrasé l'institution. Troisième et dernier pilier tribunal, ça, c'est la violation des droits humains et conséquences humanitaires. Donc, j'en crois un an, je dis à nous, une situation côté que droits humains, ou droits que nous avons introduits dans la dignité, sont systématiquement violés. Le massacre a fait un quartier populaire, il a arrêté nous illégalement, entre autres. Donc, nous allons baser les droits sur trois piliers, ça, et puis nous allons avoir une décision qui va le rendre. Une décision symbolique, ça, parce que le tribunal citoyen, c'est un tribunal symbolique. Décision, ça, nous allons appliquer à l'occasion de cette grande marche, cette mobilisation que le secteur protestant a initié, mais nous-mêmes, dans le groupe Marché pour la vie que nous appuyons, donc nous allons faire du conseil avec nous, avec d'autres secteurs, et bien, décision, ça, nous allons appliquer le jour de cette grande mobilisation, à savoir le 28 février prochain. Donc, toujours dans ça qui a un rapport avec mobilisation pour dénoncer dictature dans le pays d'Haïti. Il dit M. Jovenel Moïse, tabli dans la tête de l'État, un responsable UNOA, qui c'est Union Normalien Haïtien, le professeur Josué Mérilien, lui annoncé trois journées de mobilisation, sorti vendredi et pour arriver date 22 février, vendredi 19, pour arriver 22 février, cap venir là. Pour aller en mouer contre dictature dans le pays d'Haïti. Josué Mérilien mandé tout secteur dans le pays a, mais pour lever campé contre dictature, mais pour pas faire tête complice de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Josué Mérilien. Objectif, conférence pour la presse, plusieurs organisations étudiantes, plusieurs organisations syndicales, c'est l'organisation populaire pour qu'ils s'abattent, c'est d'abord pour nous dénoncer dictature criminelle pour dire
Jovenel, avec toute l'équipe de HK, Vétabila, avec complicité bourgeoisie nationale, avec mafia internationale là. L'ONU, Américain, OEA et Ménagatrié pour groupe et Latrié. Pour nous dire, par rapport à danger, question si tu as représenté pour le pays, il faut tout le monde le mettre en paix. Pour nous, côté carré, région là, province là. Nous avons dit tout le monde que 7 février 1986, le plateau de Mekabé, contre dictature, était juré que plus jamais le pays n'a pas gagné dictature établie. C'est sans ça. Et nous-mêmes, en dedans, diverses organisations qui ont lancé le mouvement qui va faire là-haut, nous pensons que l'important pour que tout le monde lève le campé comme un seul homme, comme une seule femme, pour arriver à bousculer le régime criminel PHTK, Jovenel et Atabila. Deuxième objectif commun pour la presse là, c'est pour nous capables d'annoncer 3 grosses journées de mobilisation, 3 journées de résistance, vendredi 19, dimanche 21, vendredi 22. Pour dans tout le pays, pour toute population, toute organisation, dans tout secteur, tout citoyen, pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la question dictatique de la ville là, non, nous ne sommes pas d'accord pour que dans le pays, nous avons un régime criminel qui a pressé le peuple là. Nous ne sommes pas d'accord pour que le pays livré dans les mains des criminels, mandat fini, mais qui a fait un coquin, qui voulait le mandat pour que le peuple là des volants, des corruptions dans le pays. Sans ça, tout le monde gagne 3 journées. Mobilisation française, 3 journées de résistance, 19, 21 et 22, et d'attendre tout. Médecins, agronomes, professeurs, étudiants, élèves, petits machins, mécaniciens, tout le monde en général qui va d'accord avec là, nous avons rendez-vous sur le béton pendant 3 jours ici, 19 février, 22 février, 22 février. Et deux bagages différents. C'est que c'est avec qui tu payes ça, non? La balle, compagnie multinationale, la balle, appel D, pendant que je vais exclure pays. Je vais mettre les paysans au dehors pendant que bourgeois, la ville plus riche. Et ça, la démocratie bourgeois fait, oui. Différents gens qui riches, plus riches. Les gens qui pauvres, ils plus pauvres. Pendant appel à la plainte de Trivia, pour Coca-Cola, pendant nous-mêmes, ils crassent la guillotine sur nous. Et bien, ça, la démocratie bourgeois. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec la démocratie bourgeois. Nous avons besoin de démocratie populaire, participative. Pour toutes les choses, nous pouvons fouler le bagage d'homme, non. Et nous continuons pour les magasins pour nous dire non à la dictature féroce, vive la démocratie populaire participative, vive la transition populaire qui va jeter des bases pour l'autre État, pour l'autre société. Côté de ça, nous-mêmes qui sommes nous sommes capables de vivre tant que nous tout mauvais, parce que sous le régime PHTK, tout haïtien a vivre, tout mourir, si tout nous-mêmes nous sommes exploités. Déjà, il massacre nous. Jovenel Moïse, comme chef massacré, il fait massacre d'État à la Saline, massacre d'État à Tokyo, massacre d'État grave, une voie nationale. C'est la démocratie bourgeoise. C'est kidnapping d'État, côté kidnapper une petite demoiselle là, tout le monde est comme ça récemment là. Non seulement kidnapper, ils ont tué, ils ont sacrifié. Et bien nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec le dictateur qui a kidnappé nous, qui a massacré nous, qui a fusillé nous. Et bien, qui prive nous de tout droit, la liberté d'expression, droit pour nous parler, droit pour nous revendiquer, pour nous dire qu'on ne peut pas manger. Et nous sommes nous devons vivre, et bien nous allons être à ça, sur le terrain populaire, on est un petit peuple, Jovenel Moïse, pas dirigé pour les Haïtiens, c'est pour les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France. Et bien si on reste avec, sur tout, nous disons vendredi dans plein aria, dimanche dans plein aria, lundi dans plein aria, et nous continuons plein aria, jusqu'à ce qu'il nous combatte. Et à part Jovenel, comme un simple président criminel pour nous l'État populaire, aux transitions populaires, il a dit toute population ouvrière, si machin, si pays de santé, si nous ne prenons pas l'arrière, l'arrière prend nous.
Ensemble, organisation politique non opposition a dénoncé M. Jovenel Moïse et dit mais qui était coqué sous pouvoir dans le pays d'Haïti malgré mandat fini depuis 7 février 2021. Organisation ça a dénoncé tout ça a relé bras armés M. Jovenel Moïse et dit tant que police nationale d'Haïti a BESAP ANI qui tenait une série véritable bras répression dans le pays d'Haïti pour président d'après ça il fait connait avec gang armé yo dit limité tout partout dans pays ya dans sens ça eh bien yo annoncé une mobilisation yo a continuer journée vendredi ya eh bien pour forcer monsieur Jovenel Moïse quitter pouvoir qui lui-même pas pour lui donc nous invitons à écouter plusieurs dans membre organisation yo parmi yo Abel Loreston donc je dis ya. Nous croyons que la bataille pour que nous restaurer la démocratie en Haïti, pour faire respecter la loi, pour faire respecter la constitution, la continuer sur tout le territoire national à partir de demain vendredi. Parce que jeudi, le peuple a dit qu'il n'y a pas de dictature encore. La question de kidnapping, je vous dis, nous, c'est le groupe Nexayo. Donc, quand vous kidnappez les gens, regardez ça qui arrive, il y a des gens qui ont 5 ans. Bon, qui ça, Timoun, ça a été pour eux avec question et avec question injustice. Donc, nous disons ça, yo, c'est un ensemble de bagailles qui est inacceptable. Nous, en plus, nous avons parlé des questions nouvelle constitution, élection. Et bien, dossier ça, yo, nous voulons jeter dans la poubelle de l'histoire parce qu'elle nous dit démocratie avec dictature. Donc, c'est comme une maman qui a deux tétés douce là pour dictateur. Yo. Pour tout pour tout dictateur qui gagne côté que Jovenel Moïse donc ba yo majorité terre dans pays d'Haïti avec plus de environ 18 millions de dollars mais tété à mer c'est pour tout le monde qui combat dictature donc qui dans crasse qui dans pauvreté donc qui est à victime des questions insécurité à et bien nous lançons appel à tout secteur dans vie nationale là et spécialement et fédération protestante qui, à l'époque, qui était supporté Matéli, à l'époque, les Matéli étaient candidats à l'élection, qui permettent que nous gagnions Jovenel Moïse là, comme un petit dictateur. Et bien, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, et bien, je vous le dis, il y a pour devoir, pour assumer responsabilité, pour accompagner la population dans la bataille, dans la mener pour nous combattre la question de dictature. Ensemble, organisation politique de l'opposition, nous présenter devant la presse pour nous venir dire non avec dictature. Parce que je dis là, nous connaissons le mot dictature, il est victime en pile dans nous-mêmes déjà. Il est victime journaliste, il est victime élève de l'école, étudiant, il est victime petit machin, gros machin. Mais je dis là, nous-mêmes dans l'ensemble organisation politique de l'opposition, qui ses yeux peuple avec les oreilles peuple, nous ne pouvons pas arrêter ni bois croisé, ni bouche bée. Avec Jovenel Moïse, que madame arrivé depuis 7 février 2021, je dis à la, dans le moment où nous avons parlé de ça, Jovenel Moïse qui n'a pas parlé national. Et je dis à nous dit ça pour tout le monde qui attend des journalistes, des machins, gros machins, pasteurs, gangans, etc., qui vivent sur tout le bout de terre, papa de Saline. Nous disons tout le Jovenel Moïse qui n'a pas parlé national. C'est gasoline avec l'huile la mettre sous différentes mobilisations qu'a fait à travers tous 10 départements pays. Je dis à tout peuple haïtien, paysan qui n'en monde, paysan qui la ville, paysan qui dans 11e département, il y a un clair. Jovenel Moïse voulait créer une dictature côté qu'il voulait manger tout peuple haïtien dans la mesure où vous amener nous tout peuple haïtien à l'embattre avant jour. Nous même nous disons ensemble organisation politique opposition vient inviter les haïtiens dans une grande manifestation contre dictature, contre kidnapping d'État, contre violation de la constitution haïtienne dimanche 21 février 2021. Ensemble organisation politique d'opposition a demandé à tous les militants qui ont bataillé pour le changement dans le pays pour nous porter coller ensemble avec tous les étudiants. Dans le gros manif qui a été fait vendredi 19 février 2021, quand il a commencé devant la faculté de technologie. Mais dimanche 21 février, c'est une manifestation
populaire qui pourra montrer avec la communauté internationale, là, OEA, ONU, Union européenne, BINU, avec la nouvelle administration américaine non, qui est en tête, Joe Biden, que le mandat constitutionnel Jovenel Moïse finit depuis 7 février 2021. Qui donc pas gagné président constitutionnel en deux pays encore. Manifestation dimanche 21, c'est pour nous dire non avec insécurité, kidnapping d'État, dictature féroce, que Jovenel Moïse qui est gang armé avec un petit groupe de la police là, qui travaille au service de Léon Charles, qui c'est papa kidnappé, qui a venu pour tout le monde pour nous dire non. Manifestation dimanche là, nous dit à toutes vos résolutions pour vos périssilions fermés, pour vos portes bourrées, pasteurs, pour vous commencer le service à partir de 6h, 7h, mais 8h, 9h pour tout service qui est fini avec bénédiction de l'éternel, pour que le peuple ait force pour manifester sous béton à partir de 10h du matin. Tout avocat, tout docteur, médecin, infirmier, rendez-vous à cassé sous béton. Papa, maman petit qui a crié aujourd'hui, nous connaissons ce qui a passé dans le kidnapping. Non. Et nous disons rendez-vous à cassé. Dimanche, cap 21 février, cap vin là. Toujours eh bien, initiative cap mené dans le pays d'Haïti pour dénoncer question dictature. Yo di chef l'État en main dans le pays a gagné plusieurs organisations protestantes dans le pays d'Haïti qui mettaient campé dans la date 18 février passé à ailleurs. Et une commission qui portait nom eh bien, commission contre dictature en Haïti. Commission ça a gagné là-dedans dirigeants qui sont dans plusieurs organisations protestantes tant que COPA et CONAS. Fédération protestante d'Haïti avec fédération et pasteur, disons fédération pasteur haïtien. C'est une initiative mais qui prend après gros manifestation qui était en main 14 février passé et qui était réuni plusieurs dizaines milliers moun dans la rue Port-au-Prince pour tereler à bas dictature. Objectif commission contre dictature, organisation protestante yo mette sous pied mais gagné c'est travail avec toute institution dans l'église yo, organisation dans société civile là et puis une façon pour capable eh ben continuer chauffer béton pour continuer dire non avec régime Bouddhi donc yo dit équipe PHTK l'établi dans pays d'Haïti. Zami auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper à édition information ça, c'était Zami au frère, mettez info qui t'a observé, nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne, si papa bon Dieu content.